Autre culture emblématique, la vigne et l'arboriculture. Alors je m'excuse d'avoir été un petit peu direct, mais euh, souvent c'est le type de culture pérenne qui développe des déserts. Euh, J'ai pris cette photo euh, dans le secteur de, de, au nord de Montpellier. Euh, euh, dans le fond, c'est le lac de Salagou. Du, et, et donc vous voyez, on est euh, fin du mois de mars, début avril, aucune couverture de sol. Alors c'est sec et, dans le secteur de Montpellier, mais il pleut quand même de temps en temps l'hiver, et quand il pleut, il pleut des grandes quantités, là, on n'a rien développé, et on va se plaindre de situations séchantes pendant l'été. En fait, si on regarde ce que nous donne l'INRA, eh bien, en fait, c'est souvent dans ces parcelles-là qu'on retrouve les taux de matière organique les plus faibles, les activités biologiques les plus faibles. Alors, souvent, on va incriminer le cuivre, les phytos, mais c'est d'abord la non-végétalisation -végétali de, de ces zones. Alors... Euh, je circule également dans ce type de production. Euh, c'est une photo que j'ai prise euh, à cahors euh, l'hiver dernier. Euh, voyez bien que tous les deux bandes on a, on a de l'eau qui stagne sur les sols. c'est les zones qui avaient été travaillées. Hein. il faut bien qu'on se dise que dès qu'on travaille le sol, qu'on fait du fin euh, dans des limons, même dans du sable, eh bien on va nuire à la capacité d'infiltration. Et donc, c'est tout de suite de l'eau qui va ruisseler. Alors là, on est loin d'être dans une situation de structure favorable euh, dans l'intérêt qui n'a pas été travaillé, mais l'eau rentre. Alors qu'à côté, on a complètement stoppé l'infiltration de l'eau. Même chose dans un verger de prunier, l'eau Tégaronne. Hein, c'est le mythe du rang euh, qu'il faut garder propre pour éviter de concurrencer l'arbre. Imaginez que de l'herbe qui s'enracine peu profond va concurrencer un arbre. Euh, C'est quelque chose de, qui, qui me paraît à, à, à éliminer de, de l'esprit. Alors si on regarde un petit peu plus près euh, cette parcelle, euh, voilà la différence de qualité de sol entre le rang euh, sur la partie droite où l'agriculteur estimait que les pruniers allaient s'alimenter, et où il apportait l'engrais et les composts, et l'interran qui était enherbé. Donc vous voyez que euh, souvent, les gens ont du mal à penser, est-ce qu'on a la main sur le sol On peut développer un sol performant ou moins performant Et bien effectivement, là, dans cette même parcelle, l'agriculteur avait deux types de sols, et le prunier avait très bien compris que, bien ma foi, le, 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 rang, le sous -le rang était l'endroit pour s'alimenter. Tout ça va déclencher des enracinements très superficiels, alors que ce sont des plantes qui doivent avoir des enracinements beaucoup plus profonds. Euh, voilà la partie, la partie, euh, la partie est pas, on n'est pas sur des pruniers, on est sur des sur des pommiers. Vous voyez des enracinements qui sont sur des sols profonds, qui sont moins profonds que des enracinements céréales ou des enracinements maïs, alors qu'on a quand même affaire à des arbres. Euh, la même chose dans d'autres climats. Hein. J'ai la chance de travailler de temps en temps aux Antilles, vous euh, voyez, en, en banane, à partir du moment où les sols ne sont pas organisés, ben, on va se retrouver dans les mêmes conditions. Alors, l'avantage et l'inconvénient d'un système tropical, c'est qu'on amplifie euh, les défauts. Si dans un système euh, tempéré, on ne voit pas trop ces défauts arriver vite, dans un système tropical, on les voit arriver beaucoup plus vite. Et donc là, la, la minimisation du travail du sol va apporter quelques solutions, mais c'est déjà souvent des sols qui sont peu travaillés, alors qu'on on, on les a quand même activement travaillés dans les systèmes ancestraux, mais où on va apporter vraiment une différence avec l'enherbement et l'introduction des couverts végétaux qui vont pouvoir augmenter la diversité et augmenter la production de biomasse puisque en fait la végétation que l'on a en place bien que ce soit une végétation pérenne ne produit pas beaucoup de biomasse et cette, cette biomasse va pouvoir relancer l'activité biologique du sol et entre autres, aider à l'activité biologique de décomposer beaucoup plus rapidement l'ensemble des, des résidus et, et, et limiter d'une certaine manière le risque maladie. Parce que lorsque vous voyez des pommes encore présentes à la surface du sol ou des rafles et des baies encore présentes au mois de mars ou au mois d'avril au moment du débourrage, les risques de maladies sont, sont déjà le contaminant est déjà au pied alors que les feuilles sont en train de sortir. Alors bien entendu, lorsqu'on est en viticulture, euh, l'enherbement permanent a, a, fait, a fait un peu école. Euh, c'est un système un petit peu mitigé parce que souvent euh, euh, l'herbe ou la végétation spontanée est une végétation qui va se développer pendant la période ou qui est capable de survivre pendant la période la plus compliquée et donc qui risque d'être très concurrentielle sans être très performante d'une certaine manière. Donc c'est déjà mieux que rien, mais on on fait et on peut faire beaucoup mieux avec les couverts. Alors, souvent, euh, c'est déjà pas facile d'implanter les couverts dans des systèmes céréaliers, mais implanter dans des systèmes viticoles, ça paraît encore plus compliqué. Mais à partir du moment où on a compris l'intérêt du couvert, on est toujours capable euh, de trouver des solutions et, et de d'enjamber d'une certaine manière euh, la clôture ou le rang. Alors, aujourd'hui, euh, ce qui se développe en vigne est en train de se développer. Euh, en arboriculture, euh, est en train de se développer euh, en noyeret, en pommiers. Et là, on commence à voir des champs euh, qui fleurissent de tout couvert au printemps. Et là, en termes de, terme de biodiversité, euh, c'est vraiment, le, vraiment le, le festival. Et, et donc, euh, euh, imaginez des vignes de cette couleur-là en printemps, plutôt que d'avoir des sols complètement, complètement nus, ou éventuellement aller jusqu'à ce niveau-là. Et ce qui permet en fait de créer de la fertilité, de créer de la végétation, et cette végétation va être roulée et elle va faire écran et limiter l'évaporation et l'échauffement du sol en été. Donc une gestion de l'eau complètement différente et la notion de de sec d'une certaine manière peut peut disparaître. Disparaître, c'est peut-être fort, mais peut-être fortement minimisé. Euh, on arrive là, dans des pommiers, dans le Lot-et-Garonne. Imaginez, les pommes qui restent encore vont être complètement, c'est de l'avoine brésilienne, qui avait été pendue à l'épandeur d'engrais, vont être décomposées. Et là, le risque de contamination est largement limité. Et je termine cette partie-là avec euh, des bananes en, en accompagnement. Euh, là, c'est une bananeraie qui a à peine six mois avec des, des, des légumineuses euh, d'accompagnement. On peut arriver aussi à faire des choses assez surprenantes à ce niveau-là. Et ce qui nous ouvre à, sur euh, l'agroforesterie, et en fait, que l'on soit en production de pommiers, que l'on soit en viticulture, que l'on soit en... On bananerait. Euh, on est dans un système quasiment agroforestier, et donc euh, on va être obligé de gérer quasiment deux strates une strate superficielle euh, qui va être le, la partie couvert, la couvert herbacée, et une strate euh, beaucoup plus profonde qui va être l'enracinement euh, de la culture de, de la culture de rente. Et donc euh, on vous a prévu, et entre autres, euh, Fabien qui est un spécialiste de l'agroforesterie. Euh, a prévu un petit bonus pour vous expliquer tout l'intérêt les avantages de l'agroforesterie. Euh, donc euh, plusieurs manips sont engagés à ce niveau-là et euh, on a entre autres un, un casse-d'art euh, euh, en Dordogne. On regarde l'intérêt de l'agroforesterie, mais aussi des couverts et des cultures en agriculture de conservation. Et une chose, c'est très clair, c'est qu'à partir du moment... Où on introduit des couverts, où on végétalise en permanence avec une végétation diversifiée. Eh bien, le, la quantité de mycorhize a nettement augmenté dans les systèmes, que ce soit en agriculture biologique ou que ce soit en agriculture de conservation. C'est la diversité des couverts végétaux et des végétaux en place et la continuité des végétaux en place qui est la clé pour avoir des bons systèmes mycorhiziens. Alors dans deux ans, on aura encore plus d'informations puisque l'expérience continue.